Veneru sacramentum, venere lucem lui, et antiquum documentum, voce laritui, res et fide supplementum, sensum de plenui. Genitori, genitore, laud et jubilatio, salus honor vitus populi, site benedictio. Hoc est via pot populi, compassit laudatio. Amen. Manem de celo presidis ieri, omine tamen tu me se abente, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer les si grands amours, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions cueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint paraclet. Béni soit l'Esprit Saint paraclet. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Marie Immaculée Conception. Béni soit Marie Immaculée Conception. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Amen. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne
laisse pas, mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton Puissons et gloire de l'Esprit, heureux et très martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Pareil aux grains qui sont broyés pour être notre pain, leur corps se joint au cœur brisé. Qui s'offre par la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer la fête de Saint-Justin.
Saint Justin fut un philosophe à Rome en quête de la sagesse et il trouva dans la personne de Jésus la sagesse suprême. Que l'Eucharistie dispose nos cœurs à chercher le Seigneur et à trouver dans la personne de Jésus la sagesse suprême. Nous parlons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous, par son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même au milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetèrent au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force. Dieu, quand tu agis pour nous, de ton palais qui domine Jérusalem, on voit tes rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre,
chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante, rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus. Commençons un mois nouveau, toujours dans la dynamique de l'attente de l'Esprit Saint. Et l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Justin. Saint Justin qui a rencontré le Christ dans sa vie, venu à la foi, se donna de construire une école à Rome, une école de philosophie. Et là, il se donna à entreprendre d'écrire une apologie portant sur la défense de la foi chrétienne. Il fut dénoncé par un de ses compagnons. S'il voyait que beaucoup d'étudiants préféraient suivre la philosophie, le cours de philosophie chez Justin, pris de jalousie, il l'a dénoncé. Et l'empereur Antonin l'a mis à mort avec quelques-uns de ses compagnons. Défendre la foi, comme le chante sans cesse notre père archevêque, Cato 100%. Nous devons être fiers d'appartenir au Christ, d'avoir le Christ comme sauveur, de nous savoir aimer
par un Père qui nous a créés et qui nous veut heureux. Et de savoir qu'il y a une source de l'Esprit Saint qui nous guide pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Dans les textes entendus, si bien la première lecture que la page d'Évangile, il est question, dirais-je, d'adieu. Paul s'adresse aux chrétiens, aux anciens d'Éphèse, les encourageant à veiller les uns sur les autres. Et il rappelle qu'il a été là au milieu d'eux et qu'il n'oubliait personne. Il a travaillé de ses propres mains. Et ainsi, pouvait-il citer une parole de Christ Jésus, « Il n'y a plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. » Est-ce que nous avons souvent la joie lorsque nous donnons? Nous devenons aigris, malheureux parce que nous avons donné. Nous sommes sans doute grâce de l'Esprit Saint invités à faire l'expérience du don. Non pas seulement la main tendue pour recevoir, mais la main pour se tourner, pour donner, avec générosité. Comme nous l'avons entendu dans la liturgie qui a été nôtre hier en célébrant la visitation, Marie a donné. Elle a donné à l'humanité entière en disant oui à l'Esprit Saint. Elle a donné à l'humanité entière en allant visiter sa cousine Élisabeth en ce moment où nous avons du mal à nous visiter les uns les autres comme Élisabeth, à nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Nous nous refugions derrière notre smartphone pour envoyer des messages, des sourires, des smiles, comme nous disons. Nous devons avoir cette joie de donner de son temps, donner de soi-même, donner de la vérité que l'on expérimente dans son cœur, dans notre relation au Seigneur, comme le fils Saint Justin. Et Paul qui s'en va, les frères se mettent à pleurer parce qu'ils ont entendu Paul leur dire que vous ne reverrez plus mon visage. Le frère Jésus aussi, dans la part d'évangile de Saint Jean, nous donne d'entendre des adieux qu'il nous fait. Aussi bien Paul que Jésus sont en prière. Nous aussi, nous sommes rassemblés en cette heure pour prier. Prier pour ces jeunes qui passent les examens. Prier pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vie. Prier pour confier ce nouveau mois. Prier pour recevoir l'Esprit Saint qui vient en profusion avec la célébration de la Pentecôte. Le Seigneur nous demande au Père de nous épargner du mauvais, de nous combler de sa joie. Que nous ne puissions plus avoir peur de ceux et de celles qui peuvent tuer le corps, ne peuvent tuer l'âme. De ceux qui ont de la haine, ne vont pas avoir peur. Le Seigneur demande à son Père de nous sanctifier dans la vérité. Puissions-nous revenir au Seigneur de tout notre cœur et être les témoins de la vérité. Amen. Amen. Eucharistie, nous porterons en action de grâce l'abbé Justin. Voilà, Nicolas.
curé de la paroisse Sainte-Croix, Amandine Loulou, nous porterons tous les Justins. Que le Seigneur leur donne la force intérieure afin de témoigner toujours du Christ Jésus comme le fit leur saint patron. Nous porterons aussi les âmes des pères Festus, Robert, Jean-Bon, Grégoire, Didas, Edmond, Hervé. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce pont, te supplions, Seigneur, accueille-nous pour nous sacrifions aujourd'hui vos grâces devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, de mes iniquités, Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que saint Justin défendit avec courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de saint Justin, en donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance et c'est les poids dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix : Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et toute la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Christus, du Père Hervé, du Père Robert, l'abbé Edmond Djikwenge Saloubi, l'abbé Didas Moudou, l'abbé Ghislain Monde, l'abbé Florent Makaya, l'abbé Noël Aimé Wangima, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Mais Seigneur, leur donner de trouver grâce auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur l'abbé Ghislain Justin Boila Mikolo. Tous les justes. Nous implorons ta bonté sur ces jeunes qui passent les examens, particulièrement les plus. Sur tous les adultes engagés dans l'organisation de ces examens. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux qui participent à l'Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de tes preuves, et nous attendons que se réalise de bienheureuses espérances l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplices. Donne-lui cette paix qui conduit la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Prends pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse, sommes-nous d'être invités au festin et noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aimons nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Aimons nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Prions encore le Seigneur. Déjà reconforté par le pain du ciel, adressons au Seigneur cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père, à vous de même. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Unis aux saints anges, devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine des cieux. Laudate, laudate, laudate Maria.